Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la box de juillet de chez Back in the Box. On va découvrir cette nouvelle box, on est à l'heure, on est à la bonne date ce mois-ci. Allez, on est parti, on va déballer ça et découvrir ce qu'on va avoir là-dedans. Le temps que je la déballe, je profite pour vous préciser que vous avez toujours le code de réduction qui se trouve dans la description de la vidéo et puis bah, je vous l'affiche comme d'habitude juste ici là en bas de l'écran. Petit point, on n'est plus sur moins 10% de réduction mais vous allez bénéficier de 10€ de réduction pour votre première commande. Donc vous aurez la box à 16,99€, j'en reparle en fin de vidéo mais au moins c'est dit dès le début. Allez, on va ouvrir ça, j'ai fait un peu comme dans celle du mois dernier où j'ai aimé en fait la faire l'unboxing comme ça assis sur un banc, on était dehors, bon là on se retrouve à l'intérieur ce mois-ci mais pourquoi pas en faire sur les mois qui vont arriver. Hop, bon on va enlever ça, ça va être plus simple. Mais du coup j'ai pris un peu le même concept, j'ai mis la caméra comme ça et puis on voit un peu quand même le fond que j'ai fait pour les vidéos. Allez on est parti, on va déballer ça tout de suite. Hop là. Comme d'habitude, tout est bien rangé, on ne voit pas ce qu'on a à l'intérieur. Allez, sans me faire trop spoil, on va prendre déjà une première chose. Alors, déjà ici, on a une première chose, c'est un lustrant silicone, juste là. Une grosse bonbonne, on va y revenir en fin de vidéo, juste après l'unboxing, parce que ça peut être intéressant à découvrir. C'est des produits, un produit que je connais pas forcément, que j'ai jamais utilisé. Donc on va y revenir juste après. On va le poser juste ici pour l'instant. Hop, vous n'allez pas le voir à l'écran. Ensuite, nous allons avoir une paire de chaussettes de la même marque. Si je dis pas de bêtises, c'est la marque qu'on retrouvait pour la sacoche de celle du mois dernier. Alors, hop, ça on va le mettre à côté. Et on est sur des chaussettes, là comme ça, toutes noires avec la marque qui se trouve juste derrière. Ok, parfait. Ensuite, on a un petit produit Mucoff, une brosse, juste là. Là par contre, ça veut faire le focus à chaque fois sur ma tête. Hop, juste ici. On va la poser aussi juste là. Et ensuite, on a encore une barre. Et je pense que je vais aller lire, voir ce que c'est exactement. Energy bar. Hop. Juste là. Et ensuite, on n'a plus rien. Petite nouveauté, enfin nouveauté ou du coup petite chose manquante entre guillemets, à partir de ce mois-ci, du coup du mois de juillet, on va plus retrouver le QR code que vous aviez de base dans la box, tout simplement parce qu'ils vont vous l'envoyer par mail, économie tout simplement pour la planète, même pour nous, on aura directement la feuille qui va arriver par mail, donc il faudra juste attendre pour checker ça, il faudra pas vous faire spoil. Si vous n'avez pas ouvert la box, ça serait dommage de se faire gâcher un peu le plaisir de l'unboxing. Alors on va mettre tous les produits là, et par contre là je voudrais avoir un peu plus de détails sur certains produits, parce que les chaussettes et la brosse, autant on connaît, on sait ce que c'est, mais par contre la bombe en silicone et la barre qui est ici, on n'a pas beaucoup d'infos et j'aimerais avoir quelques infos. Alors premier point, on a la barre du coup chocolat, une barre protéinée qu'on a juste ici. Bon, ça faudra surtout la goûter pour vous dire un peu ce que j'en pense si jamais. Par contre elle a l'air d'être vraiment vraiment costaud, c'est, vous voyez dans le paquet elle prend vraiment la place, donc c'est quelque chose que j'utiliserai plutôt sur une longue sortie pour voir ça. Et ensuite on a ça qui peut être vraiment très intéressant. Alors en gros, je vais vous lire très rapidement pour voir ce que ça va donner. Ce qu'ils disent dessus, c'est pour laisser un éclat étincelant sur toute surface, carbone, métal, plastique, caoutchouc, composite. C'est pour réduire les frottements des surfaces en contact. Alors ils recommandent l'application après le lavage du vélo sur une surface propre et sèche.
C'est un film protecteur qui réduira considérablement les dépôts de saleté sur les surfaces traitées. Donc ça, ça peut être vraiment sympa parce que j'ai mon vélo de cyclocross, franchement, après chaque sortie, coucou. Elle aime bien les unboxings à chaque fois. Qui est vraiment dans un état, je vous dis pas, il y a plein de poussière partout à prendre dans les chemins et tout ça. Mon vélo de cyclocross, qu'au final j'utilise là actuellement plus comme un vélo de gravel, mais on est sur la même chose. Du coup, ça va être vraiment un truc à tester dessus, voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Petit retour sur des produits que j'ai pu utiliser depuis le début de la box, depuis que je les reçois. On va commencer par la première box que j'avais reçue avec la bombe massante qui était vraiment, top. Je l'ai juste à côté. Je l'ai utilisé pas mal, surtout que là j'ai quand même repris pas mal de vélo. Je refais pas mal de kilomètres. Et du coup, je l'ai utilisé pas mal pendant un certain moment. Elle est vraiment cool, j'ai bien kiffé l'utiliser. Ensuite, on a eu aussi les chaussettes de contention. Ça, c'est vraiment très sympa. C'est des chaussettes qui sont utilisées par la BNB, si je dis pas de bêtises. En plus, j'ai vu des photos et j'ai vu qu'ils étaient partenaires de l'équipe professionnelle. Il y a le chat qui passe, c'est pas grave, on va rester comme ça, sinon ça me déconcentre et ça va durer trop longtemps. Et ensuite, on a eu alors les pâtes de fruits. Les pâtes de fruits qu'on a eu dans la box, alors je vais vous dire ça tout de suite parce que je l'ai juste là, qu'on a eu dans la box de mai. Les pâtes de fruits, bah d'ailleurs, c'était la box où on avait dedans les chaussettes de contention. Et les pâtes de fruits sont vraiment, vraiment excellentes. Sébastien, du coup, avait pris la box aussi, lui, de son côté, et il pense la même chose que moi. Vraiment excellente. Comme je vous disais, vous avez un code de 10€ maintenant. Hein. Plutôt, on va le prendre comme un code de 10€ que de 10% de réduction, où vous bénéficiez de la première box pour le premier mois à 16,99€, ce qui permet de découvrir la box pour vous et de l'avoir à moindre coût pour essayer, c'est toujours cool. Ensuite, je voulais rappeler hein, qui travaillait avec des personnes handicapées pour l'emballage des colis et tout ça. Ils ont réduit du coup le papier avec le QR code qui est sympa, qu'on retrouvera par mail, qu'on va recevoir par mail. De toute façon, si jamais vous n'avez pas encore commandé, si vous commandez pas la box mais vous voulez voir ce qu'on a reçu dans les anciennes, vous pouvez aller sur le site, vous avez le contenu de toutes les box. Vous retrouvez des liens pour accéder aux produits qu'il y avait à l'intérieur. C'est vraiment très cool. Et puis, on va voir aussi avec eux pour... Enfin, ils vont voir pour peut-être organiser un petit truc qui pourrait être sympa pour parler justement de la box et tout ça. À suivre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé, je me suis un peu perdu avec le chat qui passe devant et la cam en contre-jour. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était la première fois que je revenais un peu sur les produits qu'on avait dans la box. C'est compliqué à en parler comme ça. Je veux pas que la vidéo là soit trop longue. Mais en général, j'essaie d'en parler sur mes vidéos où je suis sur le vélo. C'est un peu plus simple, c'est un peu plus cool. Mais ouais, il y a vraiment des produits que j'ai bien kiffé, alimentaires et surtout tout ce qui est massage et récupération. C'était vraiment des produits super cool, bonne découverte. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, même à leur envoyer directement sur Instagram. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Sur ce, allez, bye tout le monde.